Donovan Rushmore tente de renouer le dialogue avec les habitants. J'étais bluffée par la vision de Bloom, comme vous j'imagine. J'ai cru à leur message marketing, l'amélioration des conditions de vie grâce à l'hyperconnectivité, blablabla. Et c'est vrai, c'est plus ou moins l'idée. Parmi les dirigeants, il y a de vrais visionnaires qui croient en l'humanitaire. Bloom contribue à l'éducation des défavorisés et s'engage à réduire son empreinte écologique. Il sponsorise des programmes sociaux, la recherche médicale. Alors oui, tout ça c'est vrai. Mais vous savez à quel bureau je suis assise là ? À celui de ce putain de Raymond Kenny. Forcément, ça réveille. Sors de là !
Il y a des gens qui sont très en colère. Allez. La police recherche les responsables de la tentative de vol de données qui a eu lieu tout à l'heure. Hey, attendez, qu'est-ce que vous faites? Putain, il m'a pris mon portefeuille! Marrant ça, quand tu mens, ça pue. Ça pue la merde. Écoute, ne me frappe pas, je t'en prie. Pas besoin de s'énerver. Je suis sûr qu'on peut s'arranger, hein. Wow! Sors de là! Police, j'écoute. Quelle est votre urgence? Allez, dépêchez-vous d'envoyer les flics! Allô? Il faut que vous restiez en ligne. Allez, bouge! Merde! Non! Thank you.
pas allé voir Nikki depuis l'enterrement. Est-ce que je suis prêt? Au dernier anniversaire de Jackson, Lena avait chanté en apportant le gâteau. Elle chantait à tue-tête, c'est pas très juste. Aujourd'hui, j'ai peur du silence. Il faut vraiment qu'il s'occupe de tête sec. Mais pourquoi tu fais une fixette sur eux comme ça? Ils ont bidouillé mon système, ou peut-être pas. C'est ça le problème. Comment savoir? Ils ont des cibles stratégiques, ils ont pas de temps à perdre avec un inconnu. Tu sais sûrement de quoi tu parles. Ah, et au fait, je t'emmerde. Putain, merde! Non, allez, je vous en prie. Je mérite pas ça. Oh, merde! Je suis quelqu'un de bien. Ils sont sûrement dans le jardin. Ok. On y va. T'as quel âge aujourd'hui? 10 ans. Non, je pense plutôt que t'as 9 ans. J'ai 10 ans. 9. 10. 9. 10. Bon, alors dans ce cas, ça fait 10 guillemets d'anniversaire. Et... Un, arrête, deux, trois, maman. 4, 5, 6, maman. 7, 8. 10. Attends-moi une seconde. Ok. Donc ça fait une année complète et... Et je suis en retard. Je sais. Désolé, Nikki. Vraiment. Approche. Laisse-moi te regarder un peu. T'as pris un coup de vieux. Sympa. Merci bien. C'est son premier anniversaire sans Lena. Comment il va? Il refuse de parler à quelqu'un d'autre que moi. Yolanda dit que son silence, c'est sa façon à lui de garder le contrôle. Yolanda? Sa psychologue. Elle l'aide beaucoup. Ça marche, tu sais. Mais c'est long. C'est pas facile, mais on progresse. Jackson? Jackson? Désolé pour le retard. Tu me fais un câlin? Oh. T'es... grand. Alors, t'as eu quoi? Ah, le soigneur. Cool. Tu lui as offert un vrai jouet cette fois. Si t'allais jouer un peu dans ta chambre, je dois parler à ton oncle. Je te rejoins dans une seconde, bonhomme. C'est vraiment important que tu sois là. Mais je veux être sûre que les choses ont changé. Les choses ont changé. Toi et Jackson, vous êtes les personnes les plus importantes de ma vie. Compte sur moi, je serai toujours là pour vous. Toujours à jouer les grands frères. La dernière fois que j'étais là, c'était pour l'anniversaire de Lena. Jackson l'adorait. Comme nous tous. T'as raté le meilleur. Les enfants ont joué au justicier. Ils imitaient ce type là, qui passe tout le temps aux infos. Laisse-moi deviner. Jackson était le justicier? Ils étaient tous le justicier. C'était moi, la seule méchante. Et tu sais comme je peux être méchante. J'ai bien résisté. J'aurais dû venir plus tôt. Je les aurais prévenus. Faut pas chercher d'ennui à ma sœur.
Tu te souviens quand toi et maman vous étiez super malades et que papa voulait que tu manges ton gâteau d'anniversaire? Résultat, t'as vomi un truc violet sur la table du salon. Bah voilà, c'était ça, papa. Pas le mec le plus sympa du monde, mais toujours là pour sa famille. Bon, je vais arrêter de radoter, moi. Oui, bébé. Je vous préviens, la police peut identifier l'appel. C'est ça, ouais. Voilà, j'ai pas peur de vous, moi. Mais qui vous l'a dit? Comment vous savez ça? C'est vraiment dégoûtant. Vous êtes malade. C'est vraiment dégoûtant. Vous êtes malade. Mais qui vous l'a dit? Comment vous savez ça? C'est vraiment dégoûtant. Vous êtes malade. C'est ça. Voilà. J'ai pas peur de vous, moi. C'est vraiment dégoûtant. Je sais où tu vis. Tu crois vraiment que tes serrures sont solides? Qui est à l'appareil? Dites-moi ce que vous voulez. Tu te sens en sécurité, Nikki? C'était qui, ça? C'est rien. C'est juste une blague. Ça arrive. C'est assez solide, d'après toi? Attends, est-ce que t'as reconnu sa voix? Bon, Aiden, ça va, là. C'est bon. C'est bon. Apparemment, il pense pouvoir entrer chez Mais toi. Mais qu'est-ce que t'en sais de ce qu'il pense? Tu vérifies la serrure. Écoute, je vais gérer ça toute seule, ok? On se passera de ton aide. Nikki, je peux retrouver ce mec. Aiden, putain, en fait, t'as pas changé, hein. On n'a pas besoin de ton aide. Je t'en prie, reste en dehors de nos histoires, parce qu'à chaque fois que tu t'en mêles, après, c'est encore pire. Vaut mieux que j'y aille. Ouais, c'est peut-être une bonne idée. Un adulte qui fait des blagues au téléphone. Je vais t'en faire une de blague quand je t'aurai retrouvé, toi. Ah, te voilà. Merde, il est en mouvement. Voilà de quoi j'avais peur. On menace ma famille, encore une fois. Là, j'ai pas de réseau. Non, je sais très bien que tu m'entends. Arrête-toi, je te dis. Allô? Allô? T'es toujours là? J'entends rien. Bon, allez, au revoir. Oh. Thank you.
pour un coup de fil. Nicky Pierce, c'est ça. Je parlerai de sa serrure, comme tu m'as dit. Et de son fils. Mais son deck, c'est glauque. Exactement. Quelqu'un a payé cet enfoiré pour harceler Nicky. Qui serait prêt à payer pour un truc pareil? Hey, y a du progrès avec DeadSec? J'ai besoin d'accéder au site iOS. Oui, c'est en cours. Il vérifie ton dossier. Donne-moi un peu de temps. Bon, en attendant, j'ai besoin de ton aide. Tu peux tracer un appel? Comment je pourrais refuser ça à mon meilleur client? Bon, il s'agit de quoi en fait? Un type qui vient de menacer ma famille. Je veux savoir qui l'a engagé. L'appel provient de quelque part dans le quartier du Loop. Mais c'est tout ce que je peux voir. Ok. Donc si j'arrive à pirater le site iOS une fois dans le Loop... Moi, je pourrais remonter jusqu'à la source de l'appel. D'accord. Bloom construit un nouveau centre au site iOS dans le Loop. Ça tombe bien. DeadSec a lancé une attaque dessus le mois dernier, mais on a raté notre coup. Depuis, la sécurité a été renforcée. Ça va pas être facile. Alors fais attention. Tu me fais penser à ma sœur. Détends-toi. Je ferai en sorte d'être armé jusqu'aux dents. Bloom engage des mercenaires pour surveiller les centres CityOS. Ces types sont bien équipés et parés au combat. Mais moi aussi. CityOS renforce la sécurité. Je dois renforcer mon armement. Je peux vous aider? Revenez si vous changez d'avis. Je peux faire quoi pour vous? Si vous avez une question, n'hésitez pas. Ces dernières semaines, les centres CityOS de Chicago ont renforcé leur sécurité suite à une série d'attaques menées par le groupe DeadSec. Interrogée à ce sujet, Charlotte Gardner, porte-parole de Bloom, s'est montrée catégorique. La sécurité des citoyens est primordiale. Chaque centre de contrôle CityOS a donc été doté d'un service de sécurité. Ces gardiens de la paix hautement qualifiés ont servi dans les régions les plus dangereuses de la planète. En fait, Madame Gardner, ces gardiens de la paix sont d'anciens militaires devenus mercenaires. Certains ont un casier, vous confirmez? En effet, ils ont servi dans l'armée, mais je ne pense pas que nous devons ostraciser des soldats qui ont fièrement défendu leur pays. Le réseau CityOS est parfaitement protégé, ce qui nous permet d'offrir aux habitants de Chicago le confort qu'ils méritent. C'était Charlotte Gardner, porte-parole de Bloom, sur la sécurité du CityOS. Belle journée, pas vrai? Ok, ok. Putain, merde, il a une arme! Allez! Oh mon Dieu! J'ai réussi! Pas la peine de crier!